Bonsoir à tous les gars, c'est Maxime59 et on se retrouve pour faire le SBC de Cime Vresalico. Salco, voilà, enfin un truc comme ça. Donc voilà, le Croate qui a fait voilà, une très grosse saison aussi à l'Atlético Madrid quand même, qui est peut-être annoncé à l'Inter, je crois, donc on verra bien comment ça se passe. Mais voilà, c'est lui qui a été élu défenseur droit, donc tout simplement il a une superbe carte, 92 de vitesse, 91 de défense, 90 de physique, 92 de passe. Pour un défenseur droit, c'est plutôt pas mal. 72 de tir, donc tu peux te permettre aussi de tirer avec, donc c'est vraiment assez intéressant. Donc voilà, les conditions sont très simples. Un joueur croate, un joueur de l'Atlético Madrid. Donc voilà, si vous n'avez pas voté, et voilà, je pense qu'en gros, ça sert à rien de voter, parce que de toute façon, autant garder les cartes, et voilà, vous pouvez réutiliser directement sa carte comme ça, et derrière intégrer voilà, une full calchoa, en fait, avec 2 DC. Donc en gros, il y en a pour, allez, il faut compter un bon 50-60 000 crédits pour le faire, c'est pas cher, parce que voilà, ils sont à 20 000 crédits, je viens de l'acheter, Terry à 21 000, pareil, Grandquist, il a 21 000 aussi, en gros, 22 000 prix minimum, hein, de toute façon, quand vous faites une vente rapide, je crois que c'est, non, il est un peu plus cher que ça, mais voilà, de toute façon, pour un 94, c'est vraiment pas cher, et derrière, une petite calchoa qui coûte pas très cher, donc tout simplement, au cas, vous pouvez être Sergio, d'ailleurs, n'importe quel gardien, puisqu'il n'a pas de lien, Vresalico en défenseur droit avec Terry et Grandquist en DC, Costa à gauche avec Iñaki Williams, Saul, Banega, Crondelli, William José et Lucas Pérez, par exemple, Torres, voilà, n'importe quel joueur, buteur en Liga BBVA. Au niveau du collectif, on est plus que bon, puisqu'il nous faut 65, on est à 80, donc on va aller le valider, le petit Vresalico Futize. Donc très 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 belle carte, franchement, elle fait plaisir, j'ai vraiment hâte de la tester. Donc il va aller prendre sa petite place dans ma Liga BBVA, tout simplement. Où est ma Liga BBVA? Elle est ici, les poteaux. Liga, en 4-3-2-1. Bon, du coup, vu que... Non, hop. Vu que j'avais déjà... Vu qu'il est dans mon équipe française, en fait, Hernandez, et bah du coup, il va dégager... Et on va mettre le petit, voilà, enfin lui quoi, hein. Arrêtez de prononcer son prénom, je ne sais pas le prononcer. On va pas se mentir, et voilà, donc du coup il est parti sur une petite équipe comme ça. Voilà, donc du coup, petite équipe assez sympathique. Voilà, je pense que c'est une équipe vraiment cool. Bref, bon voilà les gars, en tout cas j'espère que la solution vous a aidé. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien et like and sub.